Panda. I got broads in Atlanta. Since they put me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. عسلامة ومرحبا بكم وليداتي باكي كول كل رجعت لكم اليوم في فيديو جديد. مشكورين على التشجيع نتاعكم. ما تنساوش كي العادة دو سابوني نوتر شان. تفعلوا الجرس باش يجيكم جديدنا الكل. اليوم وليداتي اخترت باش نصلح لكم اكزرسيس. اكزرسيس تعطاه في الاكزامان ريجيونال 2020 مارس 2020 بالنسبة للولايات الريانة منوبة ونابل. اكزرسيس انتيريسون برشا عجبني دونك حبيت هذاك علاش نشارككم الكوريكسيون نتاعو. الاكزرسيس هو تعطاه باكزرسيس نيميرو 1 في الاكزامان دون لا بروميير بارتي ودونك ان شاء الله في اخر فيديو تلقاو لي دوني لي زينونسي دو الاكزرسيس. L'exercice traite le sujet des calculs des coûts partiels et une analyse d'exploitation. Ou nous avons dit que nous avons fait une correction interne. Bon, comme vous avez l'idée de l'école, si on veut déterminer le résultat d'exploitation à travers la méthode des coûts partiels, faisons-nous la fameuse formule qui est le résultat égal masse sur coût variable moins coût fixe total, la formule formulée. Un résultat. C'est égal au marge sur coût variable, bimana, c'est le taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins coût fixe total. Il y a le taux de marge fois chiffre d'affaires pour déterminer la marge sur coût variable moins coût fixe total pour déterminer le résultat d'exploitation. Si par exemple on va prendre l'exemple suivant, il y a pour un taux de marge sur coût variable est égal à 40%, coût fixe total est égal à 150 000 dinars, donc la fonction devient comme suit, résultat est égal, taux de marge c'est 0,4, fois chiffre d'affaires, le chiffre d'affaires qui résume le niveau d'activité de l'entreprise, moins coût fixe total, dans notre cas, 150 000 dinars. Donc, qui m'a tué pour le nez, on est dans la fonction linéaire. Si on va essayer de représenter graphiquement maintenant cette fonction, la représentation graphique sera sous la forme de droite. Et pour représenter graphiquement à droite, il nous faut deux points. C'est pour cette raison qu'on peut établir un tel tableau, par exemple. Donc, il nous faut deux points. Donc, je n'ai point A, point B. Ici, je vais mettre chiffre d'affaires. Et ici, résultat. Je vais mettre 0 ici, 0 là. Donc, chiffre d'affaires, tout simplement pour résumer l'axe des abscisses. Alors que le résultat, pour résumer l'axe des ordonnées. Maintenant. Pour un chiffre d'affaires égal à 0. Donc, si je vais calculer le résultat pour un chiffre d'affaires nul, donc j'ai une fonction t, un autre chiffre d'affaires 0, donc toi le résultat égal 0,4 fois 0, donc ça sera 0, donc le résultat va être égal à moins 150 000 dinars. Donc, on a une équation t, chiffre d'affaires 0, et un résultat égal moins 150 000 dinars. On est en cas moins 150 000. Donc les coordonnées du point A sera 0 moins 150 000. Donc passons maintenant à notre repère. Donc comme vous voyez ici, pour notre repère, il y a dans l'axe des abscisses le chiffre d'affaires. Dans l'axe des ordonnées, on a résultat. Donc on a si le chiffre d'affaires est égal à 0, donc le résultat va être égal à moins 150 000 dinars, c'est pour cette raison qu'on va trouver le point A ici. Donc chiffre d'affaires 0, résultat moins 150, donc point lourd, je connais. Maintenant, si le résultat maintenant sera 0, donc, quand est-ce que le chiffre d'affaires? Là, j'ai une fonction interne. On va
mettre 0 ici. Donc 0 va être égal à 0,4 chiffre d'affaires moins 150 000 dinars. Donc toi, tu as dit qu'il y a 0,4 chiffre d'affaires moins 150 000 est égal à 0. Donc chiffre d'affaires va être égal à 150 000 dinars divisé par 0,4. Et les objets dans notre cas ici, chiffre d'affaires égale 375 000 dinars. Donc, les coordonnées du point B sera 375 000, 0. Donc, si le résultat sera de l'ordre de 0, le chiffre d'affaires sera de 375 000 dinars. Donc, ça sera le point B. Puis, on va relier les deux points, du point A, B, et ainsi de suite. Voilà, on va faire la représentation graphique, une fonction de résultat. Et c'est taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins coût fixe. Juste une marque sur le il y a un petit chouf. Le graphique est un peu bizarre. Je vais vous faire un peu de temps. Mais je vais vous faire un chaque fois que le chiffre d'affaires sera inférieur à 375 000 dinars. Donc, on a n'importe quel niveau de chiffre d'affaires inférieur à 375 000 dinars. Si on va projeter le point qui va représenter le chiffre d'affaires et on va faire intersection avec cette droite, puis projection vers l'axe des ordonnées, on va trouver forcément un résultat négatif. Alors que au-delà de ce chiffre d'affaires, il faut que le chiffre d'affaires est là, prends n'importe quel chiffre d'affaires, on met projection à l'axe à droite, puis sur la droite des ordonnées, donc on va trouver un chiffre, un résultat plutôt positif. Et n'est que la touche Haja. Pour déterminer le chiffre d'affaires, qu'est-ce qu'on va faire? On vient de diviser le chiffre d'affaires, plutôt le coût fixe total par rapport au taux de marge sur coût variable. Donc, Hedi, la carnable formule de seuil de rentabilité en valeur, et dans ce cas, 375 000 dinars sera le seuil de rentabilité, va représenter le seuil de rentabilité en valeur. Donc, forcément, cette zone-là sera une zone de perte, alors que celle-là sera une zone de bénéfice. Juste une petite introduction. Je vais vous dire le graphique. Le graphique est le graphique. L'exercice, on est en train de faire la correction de l'exercice. Je vais vous dire ce que je vais vous d'accord, aussi de l'exercice. Fondé depuis 10 ans, Chaussures de Luxe se positionne parmi les entreprises les plus évolutives dans la commercialisation d'un seul type de chaussures de travail. Pour l'année 2019, la gérante de la société vous informe que 10 000 paires de chaussures ont été vendues, c'est la quantité vendue pendant l'année 2019, au prix de vente unitaire de 63 dinars hors TVA. De ce fait, elle vous communique la représentation graphique de l'évolution du résultat réalisé par rapport au chiffre d'affaires hors TVA. Donc, M. Kao, graphique exactement qui m'a dit ça. Je vais vous donner un graphique qui fait que vous comprenez le graphique qui fait que vous comprenez. Je vais vous donner un qui fait à travers ce graphique, on peut répondre aux différentes questions. Donc, on a comme support graphique et on commence à résoudre les différentes questions. Donc, je connais à la première question. À l'aide du graphique donné ci-dessus, déterminer le résultat lorsque le chiffre d'affaires est nul. Donc, comme vous remarquez ici, même d'après le tableau, lorsque le chiffre d'affaires est nul, lorsque le chiffre d'affaires est égal à 0, notre résultat sera négatif d'une valeur de
150 000 dinars. Yani, le résultat interne, je cours une perte de 150 000 dinars. Tout simplement, علاش à la خاطر, comme on a dit, le chiffre d'affaires résume le niveau d'activité. Lorsque le niveau d'activité sera nul, yani, l'entreprise ne va pas faire ça, notre entreprise va supporter des pertes d'une valeur de 150 000 dinars. 150 000 dinars, Roma finalement représente la valeur des coûts fixes total. Et de Kalish, pour répondre à une telle question, tout simplement. Donc, pour répondre à une telle question, donc je prends le relais. Selon le graphique, pour un chiffre d'affaires, qui est égal à zéro, le résultat sera d'une valeur de moins 150 000 dinars. Et comme vous voyez, ce résultat représente la même valeur que les coûts fixes total. Donc, et on peut déduire ici, on peut déduire que les coûts fixes total, vont être égaux à 150 000 dinars. Donc, on a, le niveau d'activité zéro, l'entreprise va subir des pertes. L'ensemble des pertes, et vous marquez une valeur de 150 000 dinars, vous m'avez donc chikono, une valeur des coûts fixes total. Passons par la suite au PTB. Donc, on a le chiffre d'affaires critique, qu'appelle-t-on cette valeur? Par définition, le chiffre d'affaires critique, c'est le chiffre d'affaires qui annule le résultat. Yani, le chiffre d'affaires critique, c'est le niveau d'activité à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices. Yani, هنا باش تعكس الآية عبارة وقت اللي تكون الريزولتا إيكال زيرو قديش باش يكون لو نيفو دو نوتر شيفر دافير اللي هو دون سو كا سا سرا ان شيفر دافير كريتيك دونك دابري لو غرافيك اللي بريزونتي عملنا هنا وقت الريزولتا تكون زيرو الشيفر دافير باش يكون 375 000 دينار وكيما فهمتو دونك انو ce chiffre d'affaires, il y aura une valeur de 375 000 dinars, ce chiffre d'affaires représente le seuil de rentabilité en valeur. Yani, seuil de rentabilité en valeur qui me fait là, c'est un chiffre d'affaires critique, théorique, c'est un niveau du chiffre d'affaires à partir duquel l'entreprise commence à réaliser des bénéfices, au-delà duquel l'entreprise réalise des bénéfices. Maintenant, passons à la deuxième question. Donc, il faut nous montrer que le taux de la marge sur le coût variable est de 40% et déduisez le résultat annuel. Si maintenant, on va commencer de cette déduction, que le chiffre d'affaires critique ou bien le seuil de rentabilité en valeur est égal à 375 000. De 1. De 2. Que le coût fixe total est égal à 150 000 dinars. On sait tous que la formule du seuil de rentabilité en valeur est égale au coût fixe total divisé par le taux de marge sur coût variable. On a un seuil de rentabilité en valeur de 375 000 dinars égal coût fixe total de 150 000 dinars sur taux de marge sur coût variable. Donc, taux de marge sur coût variable est égal
à 150 000 dinars divisé par 375 000 qui nous donne 0,4, soit 40%. Donc on arrive à déduire que le taux de marge sur coût variable ici est égal à 40%. On va calculer le géoblin. À la deuxième question, il y a un nez, on regarde qui est la marge sera court. Il nous demande de déterminer le résultat de l'année 2019 réalisé par l'entreprise. Donc, d'après les données présentées, quantité vendue en 2019 est égale à 10 000 unités. Le prix de vente unitaire est égal à 63 dinars. Donc, pour déterminer le résultat en 2019, formule de cours, marge sur coût variable moins coût fixe total, avec marge sur coût variable, c'est taux de marge sur coût variable fois chiffre d'affaires moins coût fixe total. On a un taux de marge sur coût variable d'une valeur de 40% et un 0,4 fois chiffre d'affaires réalisé. Le chiffre d'affaires réalisé, il y a une quantité vendue, il y a 10 000 unités, fois 63 dinars, il y a le prix de vente unitaire hors TVA. Cela me permet de déterminer la marge sur coût variable de l'année 2019, moins coût fixe total, qui est de l'ordre de 250 000 dinars. Donc on a un résultat pour l'année 2019 d'une valeur de 102 000 dinars. Donc l'entreprise ici, elle évolue aux zones de bénéfices. Par la suite, question 3, calculez le coût variable d'une paire de chaussures et déduisez le coût de revient unitaire. D'abord, pour déterminer le coût de revient unitaire, nous savons que le coût de revient unitaire égale coût variable unitaire plus coût fixe unitaire, avec coût fixe unitaire est égal au coût fixe total divisé par la quantité. Donc, pour déterminer le coût fixe unitaire, nous savons que le coût fixe total est égal à 150 000 dinars divisé par la quantité qui est de 10 000 unités, donc un coût fixe unitaire 15 dinars. Et d'abord, on doit déterminer le coût variable unitaire. Et pour déterminer le coût variable unitaire, on a déjà commencé. On a d'une part le prix de vente unitaire, on a d'autre part taux de marge sur coût variable égal à 40%. Mais il est quel taux de marge d'abord? Il est quel taux de marge sur coût variable est égal à 40%. Donc, ça m'a dit que je n'ai pas le taux du coût variable. Et pour déterminer le taux du coût variable, et que nous avons 100% moins 40% le taux de marge, le taux du coût variable est égal à 60%. De telle sorte que les coûts variables unitaires vont représenter 60% du prix de vente unitaire. C'est pour ça que le coût variable unitaire est égal prix de vente unitaire fois taux du coût variable, il y a un prix de vente unitaire, mais il y a 63 dinars, fois 0,6, il y a taux du coût variable, et il y a un coût variable unitaire d'une valeur de 37,800. Et par la suite, on peut facilement déterminer le coût de revient unitaire qui sera égal à 37,800, qui est la valeur du coût variable unitaire, plus 15 dinars, la valeur du coût fixe unitaire, et des cartines, coût de revient unitaire, égal à 52,800. La valeur du coût de revient unitaire. Et là, on a dit, nous avons une remarque très importante. Une remarque très importante.
شو تقول الرمارك هذه؟ سوف انديكاسيون كونترير. سوف انديكاسيون كونترير بمعنى ما لم يقل عكس ذلك. Le coût variable unitaire reste stable. يعني tant que معطاني حتى modification صارت في الدونيه, l'entreprise va garder le même niveau du coût variable unitaire. يعني tout simplement le coût variable unitaire في القطعة باش تبقى باقي 37 دينار و 800 مهما كانت الكونتيتي اللي باش تخدم عليها لونتربريز. هذا اللي كان ما قلناش عكس هذا. حاجة أخرى, هذه الرمارك الأول. الرمارك الثاني إنه كما نعرفوا الكل لو كو فيكس توتال, كو فيكس توتال سوف انديكاسيون كونترير, يعني ما لم يقل عكس ذلك, فإنه الكو فيكس توتال تبقى هي نفسها. Ce qui va changer maintenant, c'est le coût fixe unitaire. يعني en fonction de la quantité, le coût fixe في القطعة الواحدة هو اللي نجم يتغير, alors que le coût fixe total باش يبقى هو بيدو. Juste une remarque صغيرة وتو تفهموا علاش نقول لكم في الرمارك هذه. Maintenant, si on va passer à la, on prend la dernière, la réponse. Je m'excuse des réponses du troisième question. Maintenant, si on va passer à la quatrième question. Bon, pour la quatrième question, passons choisir des ailes. Donc, pour la quatrième question, je suis connu ici. Bon, pour la quatrième question, il connaît une proposition. Si l'entreprise désire amener son coût de revient unitaire à 49,800 correspondant à des situations de plein emploi. Je m'en ai avec les mêmes. Si l'entreprise, maintenant, évolue en situation de plein emploi, يعني elle fabrique le maximum de quantité selon sa capacité, هذا باش يعطينا coût de revient unitaire est égal à 49,800 dinars. يعني إذا كان l'entreprise تخدم بالكاباسيتي ماكسيمال نتاعها, coût de revient unitaire تولي 49,800. لاحظ حاجة هنا, إنه coût de revient unitaire اللي عملنا اللي حسبناها على أساس كونتيتي 10,000 يونيتي, pour un prix de vente de 63 دينار و كونتيتي 10,000, coût de revient unitaire كانت 52 دينار فاصل 800. هنا الكود روفيان يونيتير اللي هو عطاها لي توا نقصد. تو سامبلومون علاش نقصد؟ باهي اللي قلناه قبيليكا انه كلكو سوا توا اي سوف انديكاسيون كونترير, عاودها مره اخرى, يعني مادام ما قالي حتى شيء يتغير, كان الكونتيتي الكو فاريابل. ماتنون الكو فاريابل يونيتير, كو فاريابل يونيتير باش تبقى في الكام نتاعنا هي بيضا اللي هي 37 دينار و 800, لكن سو كي فا شونجي ماتنون سي لو كو فيكس يونيتير. هذاك علاش ديجا في البيتيتا شو طلب مني هنا في الاول, قال لي ديتيرميني لو كو فيكس يونيتير. نحنا نعرفو كالعادة كو دو روفيان يونيتير ايتيغال كو فاريابل يونيتير بلوس فيكس يونيتير, دونك كو فيكس يونيتير ايتيغال coût de revient unitaire moins coût variable unitaire. يعني coût fixe unitaire va être égal au coût de revient اللي هي 49 دينار و 800 moins coût variable unitaire qui reste inchangé اللي هي 37 دينار 800. هذا يعطيني coût fixe unitaire de l'ordre de 12 دينار. يعني ولات عندي coût fixe unitaire 12 دينار, coût variable unitaire قعدت هي بيدا. Par la suite يتعدى بيا للبي. شوفوا ديما ما تنساوش, وكيما قلت قبل في الفيديوهات اللي سبقوا ديما تحط في بالك اللي الاسئله راهم اونشيني, ثم ان في كوندكتور يقود فيك في لي ديفيرون كيستيون, يقول لي ديجاجي لو نيفو داكتيفيتي اوبتيمال. لو نيفو داكتيفيتي اوبتيمال يعني برشا تلام من هنا مخو ديريكت يقول له, يقول لك نيفو اوبتيمال ولا يقول لك بلان اوبلوا, اسمك سيستم مي ويترى فيه هنا سيستم.
هو هنا اش قال؟ قال وقت اللي لونتربريز تخدم اون بلان امبلوا الكود روفيان واش يقول؟ باهي اترافير توا سو كود روفيان قال لي لا واجب كو فيكس يونيتير نحن اللي نعرفوه اللي فينالمون كو فيكس يونيتير هي شنيا؟ ما هي كو فيكس توتال ديفيزي بار لا كونتيتي ونحن قلنا سوف انديكاسيون كونترير يعني اذا كان ما قالك حتى حاجه تبدل الكو فيكس توتال باش تلقاها هي بيها دونك شولا هنا عندك الكو فيكس يونيتير هي 12 دينار ايغال كو فيكس توتال 150,000 دينار ديفيزي بار لا كونتيتي دونك كونتيتي ايغال à 150 000 divisé par 12, donc à 12 500 unités, 12 500 paires de chaussures. Je m'en ai créé. Le plein emploi, lorsque l'entreprise évolue à sa capacité maximale, sa production finale sera de 12 500 unités. Cette augmentation de quantité chamble nous a diminué les coûts fixes unitaires, alors que le coût variable est encore mobile. Hein? Donc, lorsque la quantité a augmenté, les coûts fixes unitaires vont diminuer par la suite. Donc, les coûts de revient unitaires vont diminuer. Automatiquement, l'entreprise, dans ce cas, peut optimiser son résultat. Et avec maintenant aux cinquième question chez Colli. On fait cinquième question. Et Colby, que constatez-vous? Donc, il y a une chose qui est la quantité 12 500, c'est la quantité qui assure le plein emploi. Qui assure le plein emploi. La quantité actuelle fabriquée par l'entreprise est de 10 000 unités, bimal inférieure à la quantité qui assure le plein emploi. Bon, tout simplement, pour la cinquième question, je peux dire que l'entreprise évolue dans une situation de sous-emploi. L'entreprise évolue dans une situation de sous-emploi car 10 000 unités est inférieur à 12 500 unités. Et la constatation faite, que suggérez-vous à la gérante de la société? Donc, l'entreprise doit optimiser son activité, entre parenthèses, assurer le plein emploi pour diminuer le coût de revient et optimiser bimana maximiser et optimiser son résultat par la suite. Voilà, une correction terme, بالنسبه للاكزرسيس هذا كامل. Un exercice très intéressant, surtout à travers le graphique de data, يعني حاجه اوريجينال, حاجه جديده. يعطيكم الصحه, ان شاء الله تكونوا استفدتوا من الفيديو نتاع اليوم. وإن شاء الله ما تنساوش كما العادة دو سابوني, فعلوا الجرس باش يجيكم جديدنا, وإلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله.